Bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Marlène Nyons. Je suis biologiste de formation et spécialisée dans l'orientation, plus précisément dans le domaine de la santé. Je vais vous présenter à ma droite Cyril qui va parler de son parcours et de lui-même. Et à ma gauche, Samy. Je suis Cyril Soulès, j'ai déjà 30 ans. Je suis étudiant en cinquième année de médecine. J'ai auparavant fait quelques années en faculté de sciences à la loi, en physique. J'ai aussi une activité à côté en tant que, comment dire, je suis directeur d'une prépa, mais ici je n'en parlerai absolument pas, à moins que vous le vouliez. On parlera exclusivement des métiers de la santé et pour moi plus particulièrement de la médecine. Bonjour, donc je m'appelle Samy Anas, je suis actuellement donc étudiant en deuxième année de médecine à la faculté Lyon Sud, donc elle est basée à Oullins. J'ai passé mon concours PACES, PACES donc première année commune aux études de santé. Je suis issu du lycée La Favorite Sainte-Thérèse dans Lyon 5e et je suis ici donc pour parler de mon expérience en tant que PACES, première année à Lyon Sud. Et donc mon expérience que j'ai pu vivre l'année dernière à Lyon Sud. Donc voilà, juste pour vous signaler que Samy est arrivé 15e au concours de médecine et donc un grand bravo pour lui. Cyril, lui, il y a 5 ans, donc on n'a pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, d'abord, je vous remercie vraiment d'être venu. Je remercie également la CCI de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter ces professions, ces métiers sur la santé. Donc nous avons préparé un diaporama que bien évidemment je suis tout à fait d'accord pour vous envoyer par mail si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème et je peux même également le laisser à la CCI s'il le souhaite. Donc dans ce diaporama, je vais aller relativement vite parce que je pense que ce sont plutôt les questions et les témoignages qui seront particulièrement intéressants. Donc un sommaire avec les métiers médicaux, donc avec PACES. Donc PACES, comme l'a dit Samy, c'est première année commune aux études de santé, un concours d'entrée et qui aboutit à un choix en médecine, sage-femme, pharmacie et dentaire. Ensuite, il y a toutes les professions paramédicales selon une classification sur les métiers du soin, rééducation, sur l'appareillage et le médico-technique. Et on parlera très rapidement des particularités. Donc, faire des études de santé à l'étranger, puisque nous avons énormément de demandes, notamment sur la filière kiné. On parlera un petit peu de l'école de santé des armées. Et puis, les médecines, les différentes médecines, comme l'acupuncture, etc. Donc, toujours mes trois phrases. Je démarre toujours mes conférences par ces trois phrases, parce qu'elles veulent vraiment... elle représente vraiment ce que je pense du domaine de la santé, quelle que soit la profession que l'on choisit et que vous voulez choisir. Donc je vous laisse les lire. Alors quelles sont les différentes voies dans le domaine de la santé? Donc il y a deux voies. Il y a la voie médicale, donc PACES, avec mes deux représentants à ma droite et à ma gauche, qui vous parleront très largement à la fin du concours et des études, et puis un petit peu plus loin, parce que Cyril, lui, il est bientôt dans sa période internat, donc il pourra même parler de l'après. La voie paramédicale, avec quatre grandes familles, la famille du soin, la rééducation, l'appareillage et le médico-technique. Toutes les professions paramédicales sont classées dans ces grandes, dans ces quatre catégories. Donc sur les professions, vous avez un petit peu ici une panoplie de cette classification, avec le soin notamment infirmière, aide-soignante, la rééducation avec kiné, ostéopathe, la diététique, l'orthopsie,
Vous avez ensuite l'appareillage avec tout ce qui concerne le mot prothèse et orthèse. Et le médico-technique avec opticien lunetier. Vous avez manipulateur en électroradio, technicien biomédical, préparateur en pharmacie, etc. Donc, dans la santé, on n'y va pas par hasard, on n'y va pas par défaut. On y va parce qu'on a des qualités qui sont bien évidemment indispensables et nécessaires. Donc là, je vous en ai cité quelques-unes. Celle qui me paraît la plus importante, c'est la notion de travail, travail d'équipe, d'écoute, de sens du contact, aller vers l'autre. Et ensuite, il y a des petites spécificités dans ces qualités qui sont bien particulières à certaines professions. Vous avez par exemple, j'ai marqué le contact commercial, parce que outre l'aspect médical, paramédical, vous avez des professions où il doit y avoir un contact commercial. J'entends par là opticien, lunetier ou encore audioprothésiste, où là il y a de la vente à faire. Donc là aussi, il faut avoir conscience qu'on peut être chef d'entreprise et faire tourner un magasin. Donc il faut vraiment être en contact commercial, avoir des notions de gestion, etc. Après, je parle de dépistage, de diagnostic et de thérapeutique, où là, bien sûr, on va parler, ça concerne les professions médicales, mais ça peut concerner aussi des professions paramédicales, comme par exemple manipulateur en électroradio, où son rôle est vraiment dans le dépistage et également dans la thérapeutique. Et bien évidemment, toutes ces professions sont axées dans la prévention. Donc ici, j'ai fait un tableau sur les études de santé. Je peux peut-être laisser parler Cyril sur le tableau. Donc la première année, bien évidemment, la PACES, première année commune aux études de santé. Ce qui est très très important, c'est ce petit C avec cette grande flèche, cette barrière. Et cette barrière, ça se matérialise dans la vraie vie par un concours. Un concours, on parlera, Samy aussi pourra vous en parler, c'est quelque chose. Il y a ensuite, on voit vraiment quatre grosses colonnes. Sage-femme, il y a aussi un autre terme qui est utilisé, c'est maïeutique. Après, on a la grande colonne médecine. Et une de ses particularités, c'est de monter très très haut en termes d'années. Ça, c'est une très grande donnée. Et il y en a une autre aussi. C'est, encore une fois, un autre cercle rouge où il est marqué ENC. ENC ou ECN, c'est la même chose, soit examen national classant ou ECN, examen classant national. C'est aussi un concours. Et ici, on voit bien que ça sépare deux autres colonnes au-dessus. C'est ce qui déterminera si on sera soit médecin spécialisé, soit médecin généraliste. Ça détermine la spécialité. Ensuite, deux autres colonnes. La colonne dentiste. Alors, colonne dentiste, elle a une particularité, c'est qu'elle peut s'arrêter soit à la sixième année, soit monter encore plus haut jusqu'à la neuvième année. Ça aussi, il y a une sorte de petit examen nécessaire à l'internat. Et enfin, une autre grande colonne aussi, pharmacie. Encore une fois, comme pour dentiste, on peut soit s'arrêter au bout de 6 ans, ou alors continuer avec un internat et être spécialisé encore plus. Mais dans tous les cas, il y a bien une chose commune, c'est la première année commune aux études de santé. Et c'est souvent ça qui fait très peur, et c'est souvent là-dessus où il faut pas mal d'explications. Donc ce tableau, pour vous faire comprendre que si vous voulez vous orienter dans cette profession, dans ces études de santé, que ce soit sage-femme, ou les trois autres, vous êtes parti minimum pour 5 ans d'études. Minimum. Donc, ce sont des études qui sont longues, et ça, il faut que vous en ayez conscience. Alors ici, un tableau qui parle de l'organisation générale de l'année de PACES, quelle que soit la faculté. Sur Lyon, nous avons deux pôles. Nous avons le pôle Lyon-Est et le pôle Lyon-Sud. Alors, je vais laisser parler l'un d'entre vous. Donc, moi, je représente ce que je vous ai dit, je suis étudiant actuellement à Lyon-Sud. Donc, à Lyon-Sud, l'année, c'est donc, comme vous l'avez sur la diapo,
L'année se divise en fait en deux semestres. Un premier semestre qui est basé seulement sur un tronc commun donc, avec trois matières qui sont passées le jour du concours par l'ensemble des étudiants. Donc, c'est des matières qui sont plutôt ressemblantes avec ce qu'on va retrouver au lycée, c'est-à-dire des maths, de la physique ou de la chimie. Par contre, à partir du deuxième semestre, on va vraiment commencer à s'axer vraiment plus sur le vif du sujet et vraiment, on va commencer à toucher, par exemple, le domaine de la médecine, de la maïeutique, du dentaire ou alors du domaine des médicaments. Donc, toutes les spécialités sont un petit peu représentées dans chacun des lieux communs. Par contre, ce qui va se passer, la petite spécificité qu'on va avoir au deuxième semestre, c'est qu'il va y avoir un UESP. L'UESP, il est donc là vraiment pour déterminer dans quel concours l'étudiant va s'inscrire et va continuer ses études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près, la majorité des élèves qui passent par le cursus ENSES vont vraiment rentrer dans le cursus SP médecine. SP médecine qui est aussi pour aussi le concours kiné. Par contre, on va aussi avoir un concours à côté odontologie, sage-femme ou pharmacie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Samy, tout simplement, une chose, c'est ce qui est très 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 important à savoir, c'est que ce choix-là, il se fait dès le début du deuxième semestre. Vous venez de sortir du lycée, vous venez de passer le bac. Le premier semestre se termine environ vers fin décembre. Et dès la mi-janvier, on va vous demander de choisir entre ces quatre concours. Le choix se fait très rapidement. Excuse-moi, Samy. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun de ces concours peut être présenté dans la mesure, en fait, par l'étudiant. C'est-à-dire, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai présenté les concours spé médecine, spé dentaire, spé pharmacie. Parce que c'était trois domaines qui m'intéressaient le plus. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous avez sûrement peut-être déjà dû l'entendre, la PACES, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, un énorme temps qu'on consacre à l'apprentissage, et on va dire que la quantité de travail que devrait accumuler un élève à apprendre deux spécialités est très 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 importante en tant que primante, c'est-à-dire en tant que élève ayant passé sa première année qu'une seule fois, je pense qu'il est quasi impossible d'apprendre deux SP correctement. C'est vrai que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris ma SP médecine, mais par contre, la SP dentaire ou la SP pharmacie, j'ai laissé de côté, j'ai passé quand même le concours, parce que, si vous voulez, avec le tronc commun, je pouvais avoir ces matières. Mais au final, j'ai choisi SP médecine parce que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. C'est une forme de sécurité que certains élèves aiment avoir, passer plusieurs concours pour pouvoir, au cas où, ne pas se retrouver en bredouille après l'année de PACES. Ce qu'il faut savoir, et que je trouve plutôt important, le classement du premier semestre à Lyon Sud n'est pas du tout représentatif dans la suite de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concours du premier semestre représente 33% de la note. Tout le reste est dans le deuxième semestre. On a vu certains étudiants qui étaient très très loin du numerus clausus, c'est-à-dire le dernier prix en médecine, par exemple, et pourtant, c'est-à-dire très très loin, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être 4 centièmes sur 1100, et qu'au final, ces étudiants pouvaient remonter jusqu'à 150. 150, c'est à peu près la fin du numerus clausus. Donc ça veut dire que le deuxième semestre, c'est vraiment à partir de ce moment que l'étudiant va faire le plus gros du travail. C'est à partir de là où vous, peut-être futur étudiant PACES, où vous devrez vraiment tout donner de telle manière à pouvoir réussir ce concours. Le premier semestre, en fait, si vous voulez, c'est un peu un échauffement avant le gros du travail au deuxième semestre. Merci pour toutes ces explications. Donc ici, je vous présente le programme. Le programme sur les deux pôles universitaires à Lyon, donc Lyon Sud et Lyon Est, avec UE, qui signifie Unité d'enseignement. C'est un programme qui normalement est national, mais qui est un petit peu différent en fonction des villes et aussi au sein d'une même ville, en fonction des universités. À Paris, à cette université, et il y a sept concours différents. Donc, dans tous les cas, vous avez une rentrée qui se passe en septembre et un premier concours qui a lieu mi-décembre, où là, vous avez le tronc commun, comme l'a expliqué Samy,
le choix d'une spécialité ou de plusieurs spécialités, et ensuite intégrer un deuxième semestre. Le deuxième semestre avec d'autres unités d'enseignement qui vous permet d'avoir un concours terminal, je dirais mi-mai, où on fait le cumul des deux notes, enfin des deux concours, et là l'étudiant est admis à poursuivre ou pas, ou autorisé à redoubler. Donc, une petite explication que je vais peut-être laisser à Cyril sur les deux systèmes de réorientation. Juste pour vous dire qu'en PACES, quand on rentre dans une première année commune aux études de santé, vous devez prendre conscience qu'il faut vous mettre tout de suite à travailler, puisque c'est à la fin du premier semestre que vous avez déjà un premier classement avec soit vous êtes admis à passer au deuxième semestre ou pas. Donc il est très important de vous mettre tout de suite au travail, puisque normalement le premier coup près tombe 12 semaines après une rentrée. C'est vraiment le piège, ce qu'on parle de semestre. Alors, comme vient de le dire Marlène, ça ne dure en réalité le premier semestre que 12 semaines, soit 3 mois, même pas. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante, parce que ça veut dire, comme il l'a dit encore une fois, qu'il faudrait être tout de suite productif, efficace. Et ça, c'est le premier critère discriminant pour les étudiants en PACES, pour ceux qui vont réussir ou pas. Étant donné qu'il y a vraiment une différence énorme entre le lycée et la première année de commune aux études de santé, ceux qui arrivent à s'adapter très rapidement, eux auront plus de chances de réussir, voire même seront les seuls à pouvoir réussir. C'est pour ça que souvent on parle de stages de rentrée qui peuvent être donnés aussi bien dans les prépas, mais aussi par tutorat. Et ça, c'est une donnée qui est primordiale et il faut absolument, absolument faire un stage de pré-rentrée. C'est vraiment nécessaire. Donc, le début, le premier semestre se passe, premier concours, et là, tout de suite, les 15 derniers pourcents du premier classement en tronc commun sont évincés. Allons-Sud, c'est descendu cette année, je crois, à 10%. Mais bon, c'est quasi identique. Ça représente plus d'une centaine d'étudiants, quand même. Voilà. Donc, tous les autres peuvent passer au deuxième semestre. Le deuxième semestre, comme je l'avais dit, choisit la spécialité. Ensuite, le second semestre se passe incommodément. Cette fois-ci, celui-ci dure 4 mois. L'effort est un petit peu plus intense. On est un peu plus dans le par cœur, dirons-nous. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vraiment pour être pour vous décrire très rapidement le second semestre. Et à la fin du second semestre, un deuxième concours, tout aussi difficile, toujours à base de QCM, c'est sa particularité. Et là, un classement qui réunit bien sûr tous les points accumulés au premier semestre plus les points accumulés au second semestre. Et là, encore une fois, comme on le sait souvent, la PACES, ça peut se faire en un an ou en deux ans. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut la faire en deux ans. Parce que pour ça encore, il faut que vous soyez classé parmi, on va dire, parmi les 800 premiers, 700 premiers, même plus, 800, on est plus proche de 800, parmi les 800 premiers, pour pouvoir espérer redoubler. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la grande difficulté, c'est que même si un étudiant sait à peu près que dès la fin du premier semestre, à ses premiers résultats, il sait que ce n'est pas possible pour cette année, néanmoins, il doit continuer à travailler pour pouvoir espérer redoubler. Donc, même le redoublement, ça se mérite. Ça, c'est une donnée très, très importante. Ce qu'il faut savoir aussi, je pense, c'est important avec ces histoires de semestre, c'est que vraiment, on n'est plus du tout dans l'esprit qu'on pouvait avoir, par exemple, au lycée, ou même qu'on peut encore avoir dans l'univers du supérieur, par exemple, au niveau des prépas. Le travail dans une prépa, c'est un travail qu'on accumule sur deux ans et qu'au final, on donne tout sur à peu près deux à trois semaines de concours. On va répéter plusieurs fois les mêmes épreuves. Le principe qu'on va avoir en médecine, et il y a eu un prof qui nous a utilisé ça vraiment, il a trouvé cette comparaison, je l'ai trouvé assez pertinente, c'est comme si vous êtes Usain Bolt et vous vous entraînez pendant des mois pour 10 secondes de votre vie.
Et bien c'est pareil, vous vous entraînez pendant 3 mois, et à la fin de ces 3 mois, vous passez un concours sur un jour. C'est ça le souci, c'est qu'en fait il faut savoir être performant pour le bon jour. Et c'est ça vraiment le vrai défi qu'il y a en médecine. Parce que souvent les gens vont être performants, mais de manière un peu relâchée, c'est-à-dire on va être performant certains jours, etc. Vous n'avez pas le droit de pas être performant sur ce jour-là. Le 15 décembre, il faut être performant. Par contre, ce qui est bien en médecine, contrairement à ce qu'on va retrouver, ce que je vous disais au lycée ou même en prépa, c'est que tout savoir accumulé au premier semestre, en soi, ne sera pas redemandé au deuxième. Il pourra vous aider en soi à comprendre le savoir du deuxième semestre, mais vous êtes interrogé seulement sur ce que vous avez appris pendant le semestre. Donc ça vous permet vraiment de concentrer votre apprentissage sur le semestre lui-même. Alors très rapidement, un tableau représentatif sur le cursus post-PACES avec les 4 spécialités médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique, les années d'études et l'internat. Donc là, peut-être à la fin, Cyril pourra un petit peu nous présenter l'internat si certains d'entre vous sont intéressés. Donc ici, on va parler rapidement des métiers paramédicaux et reprendre les présentations de la classification. Donc la première classification, ce sont les métiers du soin, avec des professions comme aide-soignant, auxiliaire puériculture, infirmier. Et là, vous voyez que dans tous les cas, il y a aussi un concours d'entrée. Un concours d'entrée qui diffère d'une filière à l'autre. Pour aide-soignant et auxiliaire périculture, le concours et le recrutement se fait avec ou sans le bac. Avec le bac, il n'y a que des épreuves orales. Sans le bac, il y a des épreuves écrites et orales. Sur ce tableau, très rapidement, vous pouvez voir la durée des années d'études et le diplôme d'État obtenu à l'issue des années, et notamment le diplôme d'état d'infirmier qui depuis 2009 est devenu une licence. Donc outre le diplôme d'état, vous avez également un niveau d'études qui vous permet d'accumuler vos 180 crédits et vous donner un niveau licence. Donc là, vous pouvez remarquer également que dans ces professions où vous avez un concours, vous avez aussi des coûts d'école, puisque ce sont des écoles qui sont publiques et privées. Donc ça aussi, il faut en tenir compte au départ. Dans les métiers de rééducation, vous avez le métier d'orthoptiste et le métier d'ergothérapeute, et là également, vous avez concours. Vous avez 3 années d'études dans tous les cas, un certificat de capacité d'orthoptie pour l'orthoptiste qui est le spécialiste de la vision, la rééducation de la vision, et l'ergothérapie qui donne comme infirmier un diplôme d'État et parallèlement un grade licence. Là aussi, des écoles publiques en orthoptiste, puisque vous êtes affecté à un UFR, donc les études sont gratuites. Les 500 euros couvrent les frais SMERA et les frais étudiants. Et en ergothérapie, vous avez des écoles privées et des écoles qui sont publiques. Et publiques, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros l'année. D'autres métiers de rééducation, c'est kiné et la diététique. Donc kiné, depuis le dernier concours par voie d'école, se passera cette année, 2016, et dès l'année prochaine, l'accès à la formation se fera par PACES, STAPS ou encore une licence de biologie, première année de licence. Sauf que le pourcentage le plus important pour intégrer kiné se fera obligatoirement par PACES. Alors très sincèrement, un conseil pour ceux qui veulent devenir kiné, vous avez un bac S, n'hésitez pas, allez en PACES, vous aurez beaucoup plus de chances d'intégrer une école de kiné, parce que sur biologie et sur STAPS, après la validation de la première année, ils parlent de mettre en place un concours. Donc ce concours, il faut aussi le réussir. Donc allez en PACES,
il n'y a aucun souci, vous avez un bac S, vous avez la motivation, vous réussirez. J'ai oublié de préciser que pour la diététique, ce n'était pas un concours, c'est un BTS. Toujours dans la rééducation, quatre autres professions, psychomotricien, orthophonie, pédicure, podologue et ostéopathe. Donc, dans les trois premiers concours d'entrée, avec des matières qui sont très spécifiques, et pour l'ostéopathie, c'est certaines écoles vous proposent un concours, un étude de dossier et entretien. Donc, les années d'études orthophonistes, les études sont passées à 5 ans, puisqu'elles ont un master. Et pour ostéopathie, c'est entre 5 à 6 ans, avec un tarif annuel qui est minimum de 6 000 euros. Avec un diplôme d'état d'ostéopathe, le choix de l'école d'ostéopathie, bien évidemment, doit se faire par rapport à une école qui est agréée par l'État, si vous voulez que le diplôme soit reconnu. Nous arrivons sur les métiers de l'appareillage, donc j'en ai juste pris deux, l'audioprothésiste et l'orthopédiste. L'audioprothésiste concours, orthopédiste c'est un dossier avec un entretien. Orthopédiste c'est un BTS. Et j'insiste sur cette profession parce que c'est une profession qui est peu connue et où il y a énormément d'offres d'emploi qui ne peuvent pas être couvertes par les diplômés, puisqu'il n'y en a pas suffisamment qui sortent. Donc c'est juste pour vous dire que là, il y a vraiment, vraiment une grosse demande dans cette profession. Audioprothésiste, 3 ans d'études, école publique, et orthopédiste, pardon, c'est un BTS sur 2 années après le bac. Les métiers médico-techniques, le manipulateur en électro-radio, les deux premiers, l'accès aux écoles se fait par concours. Vous avez sur ces deux professions un autre accès qui se fait par APB pour faire un BTS. Donc, ce qui est, là, il n'y a pas d'accès concours, mais c'est un dossier. Donc, les meilleurs dossiers scolaires sont pris dans des établissements, ou sinon, c'est un concours. Et vous avez le diplôme d'État et la licence, puisque c'est passé également en licence. Opticien lunetier, 2 ans, c'est un BTS. Et ce ne sont que des écoles qui sont privées. Voilà. Donc les études de santé à l'étranger, très rapidement. On connaît la voie belge. On en entend beaucoup parler par rapport à des étudiants qui ont un petit peu raté en France et qui veulent aller en Belgique. Alors oui, pourquoi pas. Vous avez en Belgique médecine, dentaire, paramédicale. Et vous avez des accès qui peuvent se faire aussi par tirage au sort. Alors je vous donne juste un conseil. C'est que si vous voulez aller faire vos études en Belgique, pour éviter ce tirage au sort, il suffit simplement d'habiter 6 mois en Belgique, d'avoir une carte prouvant que vous avez un logement et vous intégrez l'école sans tirage au sort. C'est le scoop. Et vous avez d'autres pays qui ont un système de sélection qui est différent. Là, j'insiste là-dessus par rapport à Kiné. Kiné, les étudiants qui ont fait 2 fois la première année de médecine, 2 fois PACES pour être kiné et qui malheureusement ont échoué, qui ont fait 1, 2, 3 prépa kinés privés et qui ont malheureusement échoué, eh bien ils sont, ça fait 5 ans qu'ils ont passé le bac, ils n'ont toujours rien, et ils se tournent vers les pays étrangers, alors européens, pour que le diplôme soit reconnu en France, et c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui est en première place. Les universités, je crois qu'il y en a 17, en Espagne, elles ont un coût, puisque l'année d'études à Madrid, bah oui, si vous voulez faire un stage au Real de Madrid, les footballeurs, ça se paye. Donc, je crois que c'est entre 15 000 et 20 000 euros l'année. Donc, ce n'est pas donné. Par contre, vous avez des écoles sur l'Espagne qui sont vraiment, vraiment moins chères.
Donc là, il faut également vous renseigner si vous êtes dans cette situation, mais nous avons tout ce qu'il faut en France pour que vous soyez d'excellents kinés, d'excellents psychologues et d'excellents médecins. Il y a une particularité, c'est qu'en Espagne, il y a à l'heure actuelle, par rapport à ce que je sais, c'est qu'il y a une seule université qui fait des cours en français. D'autres vont faire la première année en français et toutes les suivantes en espagnol, mais il y en a une seule qui est à Madrid, qui coupe les yeux de la tête et qui, elle, fait tout le cursus en français. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut faire des écoles en Espagne pour faire kiné, ok, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être un champion en espagnol. Mais il y en a peut-être des champions, là. Et aussi ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des écoles qui au cursus médecine, il me semble, et qui, elles aussi, sont payantes. Évidemment, donc, le système français se base sur le principe de la PACES, sur le principe d'un concours. Dans d'autres pays, il va y avoir des tirages au sort. Sur d'autres, on va sélectionner sur le dossier que vous avez au lycée. Donc, chacun a une manière de sélection, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le cursus médecine, former un médecin coûte extrêmement cher à l'État. Et justement, dans certains pays, eh ben, la forme de sélection se fait aussi par le financement des études que peut avoir l'élève. C'est une forme de sélection, évidemment. Nous, en France, donc c'est le système passé, ça peut aller avec la politique du bonus clausus. Évidemment, ça limite le nombre de places. Moi, je pense que le système reste en soi bien, car vraiment, on reste dans le principe de la méritocratie, et c'est vraiment ça que je trouve qui est bien dans le système français. Merci. Alors, juste un petit mot sur l'école de santé des armées. D'abord parce que j'en sors et j'en suis très fière, donc je ne voulais pas passer à côté. Cette école qui se trouve à Bron, c'est la seule qui est en France, puisque à l'époque, il y avait aussi Bordeaux, mais elle a fermé, qui forme des médecins militaires, des pharmaciens militaires. Et cette école, vous pouvez intégrer l'école des armées par concours. C'est un concours qui n'est pas facile, dans la mesure où il se présente au mois de mai, et qu'au mois de mai, les terminales S n'ont pas terminé le programme. Et c'est un petit peu difficile, parce qu'il faut prévoir un petit peu en amont. Si vous êtes intéressé pour présenter ce concours, prenez de l'avance sur votre programme de terminale en physique, biologie et puis chimie. Et puis enfin, pour terminer, il y a d'autres médecines que j'appellerais médecines différentes. Il y a l'homéopathie, la chiropractie, la sophrologie, etc. Avec des écoles qui sont toutes payantes. Vous avez l'éthiopathie également. Sachez qu'en France, seule l'acupuncture et l'homéopathie sont reconnues par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Je vous dis un grand merci et nous attendons vos questions. Merci beaucoup. Souhaiteriez-vous qu'on précise davantage un domaine ou pas, ou est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'en concours de médecine, il va vraiment y avoir cet esprit de compétition entre les différents élèves? Alors, cet esprit de compétition, on ne va pas faire croche-patte, on est d'accord. Mais par contre, tout le monde connaît les règles du jeu. À Lyon Sud, vous êtes maintenant 1400. À Lyon Est, vous êtes 2400, je crois. Et le nombre de places est limité. Pour dire, pour 1400 étudiants, il y a environ 130 places médecine. Donc, il y a un esprit complet qu'il faut avoir. Moi, je pense que c'est un avantage d'avoir un esprit complet pour réussir, puisque
c'est un vrai marathon et il faut pouvoir nourrir le moteur de la motivation. Et pour ça, bah, il faut avoir l'esprit compète. Donc, ouais, il y a l'esprit compète, mais ce n'est pas le sale esprit compète comme on peut l'imaginer, comme je te dis, avec des croche-pattes, avec des vols de cours. Ça arrive, c'est des histoires de pêche, tout ça, ça arrive. Mais c'est très, très peu fréquent. Et qu'est-ce que tu as entendu d'autre sur la princesse? Parce que souvent, c'est souvent l'erreur que font les jeunes terminales, c'est qu'ils ont des idées préconçues sur la princesse, ils imaginent tout un monde, et c'est vraiment un moment super posé maintenant pour poser vos questions. Puisque, comme on l'a dit, dès qu'on rentre dans la princesse, il faut tout de suite savoir où on met les pieds, et c'est vraiment ce genre de moment qui est idéal pour vous pour faire sauter toutes ces idées préconçues qui, pour la plupart, très sincèrement, moi, si j'y arrive pas, pour la plupart, sont toutes fausses. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Ce que j'ai entendu de la passesse, déjà que c'était dur, qu'il fallait vraiment avoir envie pour réussir. Que, justement, le concours, il se faisait vraiment sur une épreuve, et que c'était, on m'a donné l'image où il fallait vraiment avaler des connaissances tout au long de l'année pour les ressortir très rapidement pendant le concours. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Ouais, effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, tu vas accumuler du savoir pour te dire au point qu'à la fin de ton année de passesse, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on qualifie ça comme ça souvent à partir de la deuxième année. Un passesse devient, en fait, à la fin de son année, un expert en la passesse. En fait, si tu veux, il maîtrise totalement ses cours. Il maîtrise totalement ses cours, c'est-à-dire à la virgule près, au mot près. Moi, l'année dernière, pour te dire, mes cours, j'avais des tableaux où je comptais le nombre de fois où je les lisais. Et j'étais à peu près à des cours que j'avais lus peut-être une vingtaine, 20 à 25 fois. Et lu, c'est-à-dire appris 20 à 25 fois. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Samy était un gros, gros travailleur. Pour vous dire, justement, pour te dire vraiment, c'est... Il faut vraiment briser toutes les idées qu'on a au lycée, de se dire, c'est ce que je disais un peu avant avec certains des étudiants qui étaient déjà venus me voir, au lycée, vous travaillez, un étudiant, un élève ou un lycéen, travaille souvent pour faire plaisir à ses parents, pour se dire, oui, je vais avoir une bonne note, pour avoir le plaisir d'avoir une bonne note, pour qu'au final, au conseil de classe, on dise du bien de lui, qu'il arrive à avoir les félicitations, sans forcément penser à ce qui va arriver après. Moi, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en médecine. C'est vraiment, il faut avoir une forme de maturité à acquérir. Cette maturité, elle se joue vraiment sur l'idée de ce que vous êtes en train de jouer maintenant, ce que vous êtes en train de jouer durant la passesse, sera des retombées 10-15 ans plus tard. Ces retombées, c'est un métier. Ces retombées, c'est un avenir. Et ces retombées, c'est vous plus tard. Et c'est vraiment ça que je m'étais dit, c'était vraiment ça que je... C'est pour ça que, en fait, je pensais plus vraiment pour mes parents. Évidemment, je voulais les rendre fiers, qu'au final, ils puissent dire, avoir un médecin dans la famille, c'est super cool. Mais vraiment, ce qui va vraiment vous servir, c'est l'idée que vous allez avoir un métier qui est humain, qui est social, et que vous aimez. Et c'est vraiment ça qu'il faut trouver. Il faut trouver une motivation. Une motivation et une volonté. Moi, c'est cette volonté que j'ai trouvée en médecine. C'est cette volonté que j'ai trouvée à travailler. Pour te dire, j'ai eu un bac qui était, j'ai jamais été un super bon élève, hein. J'ai été un élève normal, plutôt bon, mais sans plus, j'ai pas eu mention très bien en bac, j'ai eu mention bien, j'étais plutôt normal. Je suis arrivé en médecine, et j'ai dit, vraiment, à partir de ce moment, c'est vraiment là où je vais me mettre à travailler, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai envie de me donner un avenir. Et c'est vraiment là que je me suis dit, c'est là que j'ai envie de réussir. Il y a vraiment une caractéristique. Ce que dit Samy est très, très vraiment en tant que directeur prépa. Je vois vraiment des dizaines, voire des centaines d'exemples identiques. Un lycéen, il va travailler pour un DS, pour un devoir surveillé qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Et là, s'il y a un DS de maths, il va travailler. Mais bon, la veille, on connaît tous la révision du DS la veille, justement. C'est tout. Ça n'existe plus en passesse. Et c'est ça qui est super difficile pour tout nouvel étudiant, c'est qu'il faut travailler pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, quand on attaque passesse, on a les idées du lycée. Donc, ouais, je vais venir voir. Je m'adapte, ça va être tranquille. Et puis, c'est comme le concours. Donc, au lieu d'y mettre 15 jours en avance,
Ah, je vais vous mettre 3 semaines en avance. De toute façon, c'est toujours passé, donc ça va passer. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, je vous assure que c'est désastreux sur la vie de ces étudiants-là. Puisque pour la première fois, ne pas faire, bah, c'est pas rattrapable en fait. C'est plus rattrapable. C'est tout de suite, c'est très dur ce que je veux dire, c'est tout de suite fini. Donc c'est tout de suite, je vais s'y mettre. Vraiment. Moi je me rappelle une interro ratée, vous avez un DS au final qui pourra taper sur DS, qui au final compensera. Comme je vous ai dit, c'est une journée. Vous allez avoir des entraînements tout au long du semestre, mais ces entraînements c'est que du blanc, c'est que du faux. C'est le jour précis qui va falloir être performant. C'est juste ça, moi je trouve, la vraie complexité que vous allez avoir en passé, c'est que ça. Vous voulez être médecin, vous voulez être pharmacien, vous voulez être dentiste, vous voulez être sage-femme, vous voulez être kiné, vous voulez être ergothérapeute. Il suffit juste de savoir contrôler son stress, volonté et rigueur. La rigueur, je pense que c'est vraiment le maître mot qui est en médecine. Savoir s'imposer une rigueur de vie, c'est-à-dire que vous, tous nos profs de lycée nous l'ont dit, toujours, je l'ai dit tout à l'heure aussi, réviser vos cours le soir, ce que vous avez vu dans la journée. La plupart de faits et de faux. Évidemment, les profs ne sont pas dupes, ils savent que tous les soirs, vous n'allez pas revoir les cours que vous avez fait dans la journée. Évidemment. Quand je vous dis qu'en médecine, cette chose, c'est plus que primordial, c'est pas que revoir les cours qu'on a pu pendant la journée, c'est s'avancer. Quand on peut s'avancer, on s'avance. Essayez vraiment d'avoir toujours un temps d'avance par rapport aux autres. C'est vraiment ça qu'il faut avoir dans votre esprit. C'est là où la contact, elle est là. Tu vois, c'est essayer d'avoir toujours un temps d'avance sur les autres. C'est ça. C'est juste une question. Qui c'est que tu veux faire passer ici? Vous êtes ceux qui sont en termes d'allemand. Ok. Et vous n'avez pas des questions? Jeune homme extrêmement courageux, mais d'autres n'ont pas de questions. Vraiment. C'est... Allez-y. N'hésitez pas. Vous avez pour répondre. En fait, moi, je voulais savoir comment ça se passe les cours. On a des cours qui, où on est en groupe, où on est avec tout le monde, parce que je ne sais pas vraiment. Donc, je te parle pour le cas de Lyon Sud, je peux aussi parler du cas de Lyon Ouest parce que j'ai des amis qui sont à Lyon Ouest aussi. À Lyon Sud, nous avons les cours en fait de 14h à 18h tous les jours. 14h à 18h, ça représente 4 heures de cours. Tous les jours, on peut dire, il y a même certains jours, où, par exemple, on n'a pas cours le vendredi, de telle manière que ça se passe des week-ends de 3 jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est 4 heures de cours par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Hein? Aujourd'hui, enfin, vous faites au lycée, vous pouvez faire souvent des journées de 8h à 17h30, ça m'arrivait souvent. En fait, ces 4 heures de cours, si vous voulez, moi je les considère à la limite comme ma pause de la journée. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est des cours où vous êtes 700 en amphi et vous êtes avec des gens. La plupart du temps, par contre, où il va falloir être efficace, c'est le travail que tu vas fournir en dehors. En fait, l'apprentissage de tous ces cours. Parce que si tu veux, dans un cours que vous avez au lycée, disons sur une heure de cours que vous avez au lycée, dans le gros à retenir, vraiment ce qui va être important, disons peut-être, c'est 20 à 30 minutes du cours. En médecine, le gros à retenir, c'est 55 minutes sur une heure peut-être. C'est-à-dire que vous devez tout retenir. Évidemment, pendant ces 4 heures de cours, vous n'arriverez pas à retenir ces 4 heures parfaitement. Donc, en fait, le gros du travail, c'est en dehors. C'est l'apprentissage de ces cours avant d'aller en cours et après être allé en cours. C'est-à-dire, moi, par exemple, je travaillais le matin et le soir, avant et après les cours, de telle manière à préparer mes cours avant même d'y aller. Ça, c'est vraiment une forme de cheminement à prendre. Et après, il y a le week-end. Le week-end, certaines personnes se prenaient, par exemple, le dimanche. D'autres se prennent le samedi soir pour sortir avec leurs amis. Le repos est aussi important en médecine. Il faut vraiment pas craquer, il faut pas trop tirer sur la corde, parce que sinon ça risque de lâcher. L'idée, c'est savoir maîtriser son temps. Moi, j'avais justement, avant d'arriver au lycée, j'arrivais pas forcément à travailler énormément, et puis au final, j'ai réussi à acquérir une certaine rigueur dans le travail, qui fait qu'au final, je pouvais avoir une grande quantité de travail. Mais vraiment, et ça, cette phrase qu'on me dit souvent, et qu'on a dit, mon directeur me dit souvent aussi, il n'y a pas de demi-travail, il n'y a pas de demi-repos. Quand on travaille, on est à fond dedans. Quand on est au repos, il faut vraiment pas penser au travail. C'est-à-dire, quand tu prends ta pause ton dimanche ou ton samedi soir ou ton vendredi soir pour être avec ta famille ou être avec tes amis, tu te reposes réellement pour pouvoir être efficace pour la suite. Dis-toi que c'est un an,
Et après, la chose se relâche réellement à partir de la deuxième année. On parle souvent de travailler. Il y a une petite donnée que j'adore en parler à chaque fois. J'imagine que pour la plupart, vous avez tous des réseaux sociaux, du Snapchat, du Facebook, du Twitter, Instagram et tout le reste, WhatsApp, tout ça. Sachez que ça vous prend énormément de temps et ça vous enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration et de temps de travail efficace. Énormément, énormément, énormément. J'aime toujours dire ça. J'ai lu un petit article idiot, c'est un article scientifique qui disait, qui démontrait que lorsqu'on a une activité à travers son portable, son smartphone, on regarde un SMS, on regarde un Snap ou je ne sais quoi, ça dure 4 secondes. Je le repose, je me remets au travail. Le seul truc, c'est que les 3 minutes suivantes ce Snapchat ou je ne sais quoi, pendant ces 3 minutes-là, vous serez complètement inefficace. Quoi que vous faisiez. Donc ça, imaginez-vous le nombre de Snaps que vous pouvez envoyer ou de messages que vous pouvez lire ou envoyer. Au final, moi, j'ai fait des calculs. J'ai 250 étudiants dans mon temps en prépa. Imaginez-vous que certains, ça oscillait entre 3 heures, enfin, une perte de 3 heures de temps de travail, jusqu'au champion qui allait jusqu'à plus de 7h30 par jour. C'est extraordinaire. Ça, c'est une donnée qui, pour moi, est très, très, très importante. C'est quand il n'y a pas de demi-travail, il n'y a pas de demi-repos. Quand je travaille, je travaille. Le téléphone, il est à côté, je ne le touche pas. Quand je suis au repos, je peux retrouver mes réseaux sociaux. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la rigueur. De la rigueur, il n'y a que ça. Après, ce que je disais aussi, il y a de la volonté aussi qui vient avec. Si vous êtes capable de dire, je coupe mon téléphone, je le mets dans mon sac, je le récupérerai tout à l'heure. Si vous êtes capable de dire à vos amis qui ne sont pas forcément en médecine, moi par exemple, j'ai eu des amis qui ne comprenaient pas forcément cet esprit d'un an à sacrifier pour au final être vraiment dedans. Il faut savoir leur expliquer qu'au final, c'est pour votre avenir, moi c'est ce que je leur disais, c'est pour mon avenir, c'est mon avenir que je joue là. Je prends un an où on va peut-être un peu moins se voir, mais au final, au bout de un an, t'as l'esprit. C'est vraiment ça ce qu'il faut vous dire. C'est pas compliqué à médecine. Enfin, c'est son général. Pour confirmer, les cours sur Lyon-Est ont lieu le matin. Oui. Donc, sur Lyon-Est, le travail se fait l'après-midi. Et ça, c'est la petite différence justement qui pour moi a son importance. À Lyon-Est, cours matin 8-12, ça veut dire que votre travail perso qui est important, il doit se faire entre 12h jusqu'à, alors, pour les courageux, 22h. Habituellement, de 12h à 20h. Ça fait une traite de 8h de cours. Lorsque vous allez à Lyon Sud, vous avez ici, par contre, les cours l'après-midi, 14 à 18. Et là, c'est pour moi le petit plus de Lyon Sud, c'est qu'en fait, vous pouvez travailler 4 heures. Ça se fait de travailler 4 heures d'affilée avec une petite pause de 10 minutes. On peut le faire. Et ensuite, les cours, qui sont une pause, entre guillemets, et ensuite, retravailler 2-3 heures encore, ça se fait. Par contre, à Lyon-Sud, à Lyon-Est, je connais peu de gens capables de travailler presque d'une traite avec quelques pauses pendant presque 10 heures, 9 heures, 10 heures. Donc, il y a une petite différence, c'est une autre organisation, c'est voilà. Donc, si tu as le plan, il faut les savoir avant de vous rentrer dans PASTES. Il faut les savoir. Il faut savoir comment ça va se passer. Et puis également, avant de rentrer en PACES, il faut absolument que vous alliez à la faculté aussi. Il faut que vous assistiez à un cours. Il faut voir ce que c'est qu'un amphi. Quand on est dans un amphi où il y a 700 étudiants et où il y a le prof qui est en bas, il faut absolument que vous y allez. Vous avez le droit d'assister à un cours en auditorie pour les cours magistraux, juste pour aller voir ce que c'est, pour ne pas découvrir ça aussi le premier jour universitaire. Vous avez les journées d'enseignement supérieur la semaine prochaine pour la terminale. Qui sont mercredi et jeudi, je crois. Voilà, vos établissements vous laissent liberté pendant ces deux journées. Allez-y. Allez à la fac, allez assister au discours. Je crois qu'il y a des doyens qui interviennent dans les deux facs. Allez-y, installez-vous dans l'amphi et commencez déjà à vous imprégner de cette ambiance.
Et dites-vous que même de temps en temps, le prof n'aimait pas dans votre amphi, en fait. De temps en temps, en fait, par exemple, à Monsieur, il y a deux amphis de 700 places, il y a un amphi où le prof est dedans, l'autre où il est en audio, en audiovisuel, mais au final, vous ne le voyez pas. Et c'est vraiment ça, en fait, qui change par rapport au lycée. Vous n'êtes pas du tout dans l'esprit lycée, avec votre prof qui est derrière vous, qui, dès que vous êtes peut-être parlé à votre voisin, va vous recadrer. Non. Là, vous êtes vous êtes autonome, vous êtes indépendant, c'est à vous de vous gérer. C'est à vous de vous dire, je dois écouter le cours, parce qu'au final, si je veux le comprendre, j'ai besoin d'explication du prof. C'est vraiment ça qu'il faut se dire dans sa tête. C'est tout un cheminement d'idées, c'est toute une manière différente de penser par rapport au lycée. Vous êtes adulte, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là en cours, vous n'allez pas en cours. Le prof, il ne courra pas. Par contre, pour avoir votre médecine, là, ça va coincer. Vous devenez adulte, responsable. C'est vous qui gérez votre vie. Ça, c'est très difficile. On a beaucoup parlé PACES. Est-ce que vous avez des questions sur les professions paramédicales? Non? Pas d'autres questions? Oui, je vous en prie, madame. Accompagnement des étudiants, est-ce qu'il existe des accompagnements pour justement les aider à trouver cette référence au milieu de travail? Ah, oui, tout à fait. Il existe des accompagnements par le biais d'établissements spécialisés dans l'accompagnement, dans l'acquisition d'une méthodologie, dans le fait également d'avoir des locaux à disposition, d'avoir une personne qui soit là aussi pour, je ne dis pas pour coacher, mais ne serait-ce que pour boire un petit café ou un verre de jus d'orange. Effectivement, il existe des établissements. En fait, souvent quand on débarque en PACES ou un truc comme ça, souvent les étudiants, en fait, ils ont tendance à se sentir un peu fort, invincible, qu'au final, oui, ils ont ces petites choses un peu différentes qui fait qu'eux, ils sont différents et qu'ils vont réussir à passer ça, parce qu'eux, ils ont ça en eux. Et au final, moi aussi, je pensais, j'étais un peu comme ça, je me disais qu'au final, je vais réussir tout seul, j'y arriverai, etc. La vraie, et je pense que c'est la règle d'or en médecine, avec la rigueur, c'est savoir écouter. Savoir écouter, savoir s'entourer du bon conseil, savoir vraiment choisir, discerner la bonne information de la mauvaise. Parce que PACES, en fait, c'est plein de pièges. C'est plein de pièges avec, par exemple, l'idée qu'en amphi, on peut ne pas écouter le prof, sortir un film et regarder pendant les 4 heures de cours un film. On peut, par exemple, être souvent tenté, parce qu'il n'y a que des jeunes autour de nous, à trouver une ambiance colline de vacances et rigoler tout pendant les 4 heures de cours et même en dehors des cours. Et au final, on est vite emporté parce qu'il y a 1400 jeunes autour de nous. Il y a par exemple tenter de prendre souvent des pauses. Et tout ça, en fait, tous ces petits conseils, par exemple, savoir quel cours il faut mieux réviser plutôt qu'un autre, parce qu'il est plus. C'est des conseils qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir appliquer. Et pour ça, il y a deux sources. Ce sont soit des prépas privés, ce qu'on peut nommer des boîtes à colle. Ou alors, vous avez également tutorat. Est-ce que le tutorat remplace une boîte à colle? Moi, j'ai tendance à dire que non, avec beaucoup d'assurance. Certains peuvent penser que oui. Voilà, c'est ça, les deux aides possibles. En fait, une boîte à colle, je pense, et tutorat, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'ADA, je pense que ça se complète. En fait, un tutorat peut-être sera moins dans le suivi, vraiment au plus proche. La boîte à colle, vraiment, va suivre l'élève au plus près de telle manière à ce que vraiment lui donner un cadre qui pourrait même se rapprocher de ce qu'il pourrait avoir au lycée. Par contre, le tutorat, lui, vise vraiment sur l'ensemble de la fac. Et donne, par exemple, avec l'école du tutorat, une vision des résultats sur l'ensemble de la fac. Ce qui fait qu'au final, on a vraiment une représentation typique de ce qu'on pourrait avoir le jour du concours. C'est pour ça que je dis que vraiment, une boîte à colle et un tutorat, c'est un service qui se complète et qui n'est pas en opposition ou qui ne propose pas forcément exactement le même service. En tout cas, on vous remercie. Si vous avez des questions, nous avons sur le stand santé au rez-de-chaussée, nous avons des étudiants en pharmacie, des sages-femmes, des diététiciennes, nous avons une ostéopathe, enfin on a un certain nombre de professionnels et d'étudiants. Donc, si vous avez des questions,
un peu personnel. Donc, je vous invite à nous rendre visite. Merci en tout cas.